Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour la suite The 2. Je commence à bafouiller. Ah, je m'en remettrai pas, hein, d'Abigail. Hein, c'était hier soir pour ceux qui étaient là sur le live. J'aurais du mal à m'en remettre. Donc, nous sommes de retour pour la suite de The Quarry. Et donc, du coup, bien évidemment, on va continuer tant bien que mal. Oh, mais tu stream? Bah, évidemment que je stream. Je viens d'aller me promener, j'ai chaud, j'ai mal aux pieds. Donc, je me faisais chier et tu tombes à pic. Ah bah finalement, je vais Alors, aller faire autre chose, moi. pourquoi vous êtes pas venu? Vous étiez où pendant ces 2 mois? On est arrivé un jour plus tôt. C'était pas une bonne idée. Très bien. J'avais pas envie de bouger ce matin. J'ai poireauté au lit pendant une heure et demie. Oui, madame. Bon. On se souvient de la... Ah mais attends, mais non, mais attends, c'est... Exactement. J'ai pas envie de mettre pause pour couper le truc, mais... Non, non, n'appelle pas, fais rien. Alors j'attends, parce que là... Attention, je vais... Ouais, je pense pas qu'ils auraient... On va voir. Après, elle a pas de bandeau sur l'œil. Ouais, t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Putain, mais le son est hyper faible. Jeune fille, on va passer un mauvais moment. Comment ça? Non, mais... Regarde. Là, elle a un bandeau. Elle est dans des cellules. Ah, et donc il s'est transformé là, du coup. Bah oui, non, mais je me doute qu'il s'est passé quelque chose. Bah, me dis pas que c'est le passé. Je dis juste que ça va pas être tout de suite la bidule parce que, bon, à mon avis, après ça... Putain, cette tête! Qu'est-ce que vous avez fait à Max? La ferme. Pardon? Vous pouvez pas... La ferme! Je vais poser des questions. Et vous, vous répondrez. Oui, monsieur. Non. T'es qu'un pauvre con. Quand je dis non... En plusieurs mots, pas tout attaché. Je me suis bien fait comprendre. Vous avez mon permis, vous savez pas lire? Bien! Monsieur officier de police, vous devez faire ce que je vous demande de faire et répondre à mes putains de questions. Oui, monsieur. Redemandez. Flic ou pas, je m'en fous. Vous avez pas le droit de me garder ici, c'est pas légal. Je veux un avocat. Stop! Tu vas fermer ta gueule et m'écouter ou on va avoir un problème. Est-ce qu'on a un problème? Oui. Ah, c'est du toc! Cet insigne de shérif veut pas dire grand-chose si vous croyez pas en la loi. Pardon?
On n'a rien fait du tout. Ah, j'ai dit, hein. Maintenant, je suis en roue libre. Nous boucler. J'aimerais bien comprendre. Je suis en roue libre. Jeune fille, je crois que tu te rends pas bien compte dans quel merdier vous vous êtes fourré. Un beau merdier. Une sacrée merde. J'aime bien parce que tu fais trois choix où tu l'envoies se faire foutre et après tu lui fais « Oh pitié !» Pitié, arrêtez de vous foutre de ma gueule et dites-moi plutôt ce que c'est que ce bordel. Qu'est-ce qui nous a attaqué hier et pourquoi vous nous arrêtez, espèce de gros taré? Je veux voir Max. Mais il est mort, Max. Quoi? Ah, ça a marché. Non, non, l'attaque pas. Je suis en roue libre, j'ai dit! Va te faire foutre! Oh bah bravo. Ah mais mets-y un peu du tien. Oh, il allait nous relâcher, il allait gentiment nous dire, allez, on va... Je vais vous trouver une serviette, un maillot de bain, vous allez vous baigner au lac. Eh, hey, vous, connard! Vous allez me dire ce que c'est que ce bordel! Je sais que vous m'entendez! Ah la vache. Ah, c'était très drôle. Ah, c'est encore plus drôle comme ça. Ah, on aurait dû tuer Abigail dès le début, hein. Méprisante. Voilà, allez, vas-y. On emmerde tout le monde, nous. Ça changera rien. Est-ce que j'ai essayé de lui crier dessus. Je crois, j'en sais rien. Laura ? Ouais. Pourquoi je suis à poil ? Quoi ? Ben, on s'est fait attaquer. Et après, je me suis réveillé dans une cellule et sans toi. Et maintenant, t'es là et j'ai plus mes fringues et il y a du sang. Menteur! Et des trucs partout! Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Ouais, bah, notre hôte avait très envie de m'arracher des aveux, mais je serais incapable de dire ce qu'on était censé avoir fait après lui. Putain! Il a pris quoi pour te faire parler? Une pince, une lame, une poinçonneuse? Non, je me suis pas fait torturer. Il se prend pour qui, ce type? Le shérif de Northkill, apparemment. Northkill? Ouais. Max! Quoi? T'as regardé la carte, au moins? À Kett's Quarry, à Northkill, c'est la ville. Ah. Et c'est même pas le pire. J'ai jeté un coup d'œil à son badge et... Mais dis-le! Ah! Ah, il a été faire une machine. Tiens, ravis-toi, l'ami. Pourquoi tu lui poses par terre? Enfile ça. Il t'a donné quoi? Je serai pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dis. Hey, j'ai dit que vous pouviez vous parler. Pas te faire foutre. Voilà. Je savais pas qu'on avait besoin de votre permission, inspecteur tête de bite. Oh la vache. Ouais, c'est un pays libre, officier, face de cul. Merde. Oh putain, les gars, soyez un petit peu plus original dans vos insultes, merde. Vous croyez vraiment que ça va le toucher? Ok, grand. L'insulter comme ça? Présente-moi tes mains. Allez. Tiens, tu l'avais mes mains! Pardon. Ah, je suis en roue libre. On m'arrête plus, là. Non mais putain, mais il est con, lui! À toi. Comment ça, à moi? On y va. J'irai nulle part, on peut faire ça, là. Dépêche. Hé! Hey, hé! Hey. Je reprends la manette dans les mains, on sait jamais, il y aura peut-être une carte. Bouge! Mon seul objectif, maintenant, c'est de trouver des cartes. qui reste en vie? Hé! Hey, arrête de... Je m'en balance un peu. Droite. Hé, hey, ne touchez pas. Fermez-la tous les deux. Je t'emmerde. J'ai dit. Voilà, c'est bien.
Mais hey, continue. Hé, hey, vous avez pas le droit de faire ça. Vous lui faites du mal. Ok. Ok. Réfléchis, Laura, allez. Il doit bien y avoir quelque chose ici qui peut te... Ça m'étonnerait qu'il y ait une seringue dans la cellule, par contre. Hein. S'il y a une seringue dans la cellule, je quitte le jeu. Hein. Alors, est-ce qu'on peut trouver une carte ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tandis que la ville de Norskill s'endort, la folle dans les bois pleure un mort. Lorsque pourrissent les corps, le loup affamé sort et l'implacable shérif rôde encore. Très bien. L'implacable shérif. Où est-ce que c'était ça ? C'est dans Indice. Indice ? Ah, on peut pas relire ce qu'il y avait. Ah bah si, il faut. Ouais, bon, bref. C'est quoi ? Ah ! Non, c'est mort. Mais non, c'est pas mort. J'ai besoin d'une sorte de levier. Levier, t'as pas une brosse à dents ? Une pince à épiler ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça peut le faire. Non, mais... Oh, ouais, ça devrait marcher. Je vais pouvoir m'enfuir par là. Salut, Poppy. Ouais, repose-le. Au cas où ils reviennent et qu'ils disent, ah là là, elle a trouvé ce qu'il fallait pas qu'elle trouve. Non mais. Ah, lui il a tout avoué lui. Il a la tête de quelqu'un qui a tout avoué. Regardez-le. Il se sent coupable. Faites gaffe, je marque facilement. Arrête ton cirque. Dès qu'on sort d'ici, vous êtes mort, sale connard. Oui. Dès que vous sortez. C'était censé vouloir dire quoi ? Oh là là ! Quelle vulgarité ! Nous laissez là ! Hé ! Revenez ! Merde ! Sa mère ! Espèce d'abruti ! Qu'est-ce que t'as envie que j'ai envie de le sauver ? Qu'est-ce que tu... Comment ? Comment j'aurais envie de vouloir le sauver, lui ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que t'as tout déballé comme une poucave ? J'avais rien à avouer. C'est vrai. Oh, je suis sûre que t'as beaucoup de choses à cacher. D'accord, peut-être, mais... Je crois pas que ça l'intéresse de savoir que j'ai copié sur Mickey Washington en contrôle de chimie. C'est le ban. Plus sérieusement... Ça a été ? Il m'a juste posé un tas de questions... Un tas de questions bizarrement spécifiques sur nous et... À la soupe et où on allait et pourquoi et comment je me sentais ce matin et... J'en sais rien. Rien de ce que je disais avait l'air de vraiment lui convenir. Il t'a demandé comment tu te sentais ? Ouais. Pourquoi, pas à toi ? Non. Hein. Chaud. Il y en a peut-être un des deux qui va passer à la casserole ce soir. Oh, et est-ce que t'as jeté un coup d'œil à son badge ?
C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bite? C'est Hackett. Shérif Hackett. Tu crois que c'est la famille de Chris Hackett? J'hallucine, c'est le Chris Hackett? Ouais! C'est qui Chris Hackett? Eh bah, le directeur du camp, Monsieur Hackett de Hackett's Quarry, tu te souviens? Putain, hier soir ça me paraît tellement loin. Mais ça veut dire quoi? Tu crois? C'était un piège? C'est peut-être une sorte de réseau d'enlèvement de... je sais pas... moniteur de colo? C'est... attends... quoi? Putain, mais il comprend rien, hein. Il n'a pas besoin d'un kidnappeur. Ah, il n'a pas le profil d'un kidnappeur. Bah, vite fait. Comme un genre de trafic, un piège, je sais pas. Après, pourquoi ils nous auraient juste enfermés en vrai? Ça peut pas être une coïncidence. Okay. Pour des expériences. Il y a forcément un lien. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ils savaient qu'on arrivait. C'est peut-être une espèce de kidnapping, de rançon, de complot. Ça paraît un peu gros. J'essaie simplement de nous sortir d'ici, et j'y arriverai pas tant que j'aurai pas compris pourquoi on est dans cette merde. Je sais pas, et s'il y avait aucune raison? Quoi? Mais c'est obligé. Mais il y a des choses qui s'expliquent pas. Et donc? On va rester en tôle ici jusqu'à la fin de nos vies, c'est ça? Frustré. Ce n'est pas à vie. Stop! Arrête, positive! Facile à dire pour toi. Pardon? Tu peux pas simplement accepter? Parfois, c'est juste la merde. C'est pas toujours une question d'obstacle à surmonter. Justement, si, c'est ça. On va sortir d'ici. Je vais faire mes études de veto et toi... tu vas... quoi? Je vais faire quoi? Rien. J'ai vu ton courrier, Max. De quoi tu parles? J'ai trouvé la lettre de refus de la fac. Elle était dans ton sac. T'as fouillé dans mes affaires? J'y crois pas que tu m'aies rien dit. J'avais honte. Mais... tes notes étaient bonnes et ta disserte était super bien. Ouais, mais pas assez apparemment. Merde! On avait nos plans, Max! Ça fait chier! Je sais bien, tu veux que je te dise quoi? Peut-être pardon. Oh, allez, vas-y. Roue libre. Bah, peut-être quelque chose comme pardon de t'avoir menti et laissé croire qu'on irait à la fac ensemble à la rentrée. Ça serait un bon début. Tu vois, je savais que tu dirais ça. Oh, mais merde, non, t'as menti. Alors assume et excuse-toi. Ou ça va te paraître vachement long comme passage en prison. Ok. Je m'excuse. Voilà. Tu vois quand tu veux. Non, mais non, rajoute pas le contente derrière. C'est bon, on va plutôt essayer de se tirer d'ici, déjà. Ah non, 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 il faut qu'ils s'excusent, vraiment. Il faut qu'on reprenne tout depuis le début. Quoi, quand on est parti? Non, quand on est tombé sur le flic. Donc après avoir vu ce truc qu'on a croisé? Ouais, exactement. Ouais, c'est là que tout a commencé à déconner. Il a eu une réaction trop chelou quand on lui a parlé de l'animal, tu te rappelles? Comme s'il savait quelque chose. Ouais. Ouais, c'était hyper bizarre. Et si c'était même pas un flic? Bah non mais... bah il est sûrement pourri, mais... bah, je dirais quand même que c'est un flic. On est dans un commissariat. D'accord, ouais, mais quand même... mais qu'est-ce qui te fait dire que t'es dans un commissariat? Ouais, ça c'est pas rassurant. Surtout avec l'histoire du nom Hackett. Je reste d'avis qu'ils sont tous les deux dans le coup. Ok. Donc on a rendez-vous avec Chris Hackett au camp, mais sur place,
Il y a personne et on se fait attaquer par... un truc. Un truc. Et là, le flic se pointe. Cette partie est floue pour moi. Je me souviens des marches et une odeur de chien mouillé et... Ah, t'es bourré, oui. Un chien avec écrit Yann dessus. Yann ? Yann. Je crois pas qu'on ait été attaqué par un chien. Ce truc était plus grand. Comme une personne... Ouais, il s'est bien acharné sur toi. Je suis surprise que t'aies rien de plus grave. Je me souviens clairement avoir vu ses dents se planter dans ta peau. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est... Laura, j'ai pas une égratignure. Quoi ? Eh, hey, ok, question bizarre. Tu te souviens ? Avant qu'on se perde... Que tu te perdes. Ouais, non, d'accord, mais avant ça, je te disais... Waouh, regarde la lune. Elle est grosse, c'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt. Et toi, t'étais là, ouais, tu sais, Max, ça arrive tous les mois. Ouais, et ? Ouais, bah... Tu sais... La pleine lune. Ouais. Les loups-garous. Et si... Ok. Non. Stop. Je dis ça comme ça. Tu sais, peut-être c'était une sorte de... De loup-garou. Le mot est tombé. Non mais tu t'en... Vous parlez sérieux? Un loup-garou? Sérieusement? N'importe quoi. Quoi? Bah quoi? Pourquoi tu ris? Parce que j'ai dit exactement la même chose. Ok. Et donc, vous avez rien trouvé de mieux? Zombies? Aliens? Un vampire? Je te déçois si je quitte le stream. Bah... Non, tu fais ce que tu veux. Allez, vas-y, hein. Ryan, c'est ça? Ouais. Ferme-la, ok? Ouais, laisse-la finir. Il est in love, l'autre. Et si c'était pas si fou que ça? Avec tous ces trucs qui sont arrivés à Nick, et cette chose sur le toit, ok, en fait, ça pourrait même expliquer pas mal de choses. Dylan, j'essaie juste de garder l'esprit ouvert. Regarde un peu tes histoires de fantômes, c'est pas si différent de ce qu'elles racontent. C'est juste des histoires, mais il y a forcément une explication rationnelle pour tous ces trucs, ce qui nous arrive. Bien le bonjour à Kovolta. Ça va plus loin que ce que vous pensez. Laissez-moi terminer. Après, je vous laisse décider si vous me croyez ou pas. Je m'en fous. Mais vous devriez m'écouter. C'est un jeu interactif. Les semaines suivantes ont été longues. Le flic nous filait à bouffer et nous faisait prendre des douches, mais à part ça, on le voyait à peine. Max et moi, on a beaucoup parlé. On se remémorait tout ce qui s'était passé cette nuit-là. On échangeait les théories les plus folles. On a parlé du flic, du camp, de l'accident, des bois, du truc dans le sous-sol. Ce qu'avait vécu Max, on ressassait tout ça en boucle, encore et encore. Et rien de tout ça n'avait de sens. Mais on savait qu'il fallait qu'on se tire de là. À droite, il fait des exercices. Bon, c'est un peu répétitif. Hein. Je supporte plus cette merde. C'est pas si mal. Ils bouffent sûrement pareil au camp, tu sais. Non, je peux plus supporter d'être enfermé ici. Ah. Ouais, là, je suis d'accord. Il faut qu'on tente un truc. Il faut qu'on se tire d'ici. Il nous faut un plan. Arrête pas de dire ça. Mais ça dure, donc... Fais-moi signe si t'en trouves un. C'est pas comme ça que tu vas m'aider, Max. Y a un détail que t'oublies. Quoi? Juste un tout petit détail. Je peux potentiellement être un putain de loup-garou, Laura. Pas si fort. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me... transforme en horrible monstre et que je te tue et te bouffe avant de me remettre à courir seul vers le soleil avec des bouts de toit dans les dents, hein? Ok, stop! Un seul problème à la fois. C'est vrai, on sait pas si c'est vraiment ce qui se passe et on le saura jamais si on reste ici. Ok. Bon, d'après moi, on a seulement deux vraies options. On la joue fine et on essaie de l'amadouer. Pour qu'il nous laisse partir? Ou...
de le surprendre et on prend la fuite. Putain. Non mais pourquoi tu veux sympathiser avec lui, tu y arriveras pas. Je refuse d'être sympa avec ce connard. Putain, c'est quoi l'histoire à quoi Volta? Cool. OK. Et comment? Regarde sur internet. La somme. Laura, tu sais que ça marche que dans les films, ça. Si tu cognes quelqu'un à la tête, tu vas plus le tuer ou lui coller des grosses lésions cérébrales que l'assommer. Ouais, ce serait dommage. Ou alors Nounet t'explique dans le chat. Ouais. Ouais, moi j'ai envie de l'assommer, moi je m'en fous. Bon. Alors, ah merci Lunette. Tu prends des noms de code? Parce que si oui, moi c'est éclair de feu. Non, sérieusement, Max. Éclair de feu, non mais... Ok. Compte sur moi. Ok. Voilà ce qu'on va faire. La prochaine fois qu'il ouvre ta cellule pour t'emmener te laver, tu l'attaques. Tu le plaques au sol et... Et tu prends les clés à sa ceinture. Tu le traînes dans ta cellule, tu l'enfermes et tu m'ouvres. Là, on lui pique sa bagnole et on se tire vite fait d'ici. Ouais, mais c'est pas vraiment un plan, pas vrai? C'est juste une autre façon de dire on s'évade avec plus de mots. Non, ici attendra pas. On est dans une routine, on va pouvoir le surprendre. Ça, je suis d'accord. Par contre, du coup, attends, mais je suis... Qu'est-ce qu'elle a trouvé dans la... avec la brique, là? Je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. C'est pas du tout suspect. Tu lui attaches pas les mains? Allez. Attention, je me tiens prêt. Il va se dégonfler. Non mais putain mais... Ah, c'est à mon tour? Mais j'ai pas pris ma douche. C'est pas grave. Y'a pire. Hein. J'ai dit, enlève ces putains de fringues. Je t'emmerde. Recule. Oh la vache, il a les yeux. Tiens. J'ai envie de le toucher. Comment ça se transformer le bougre? Qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Me touchez pas. Ah, elle va le montrer. Assieds-toi. Arrête de bouger. T'as dit que tu voulais être veto? Alors voilà ton stage. Connard! Tu voudras pas le croire si tu le vois pas par toi-même. Ouais, et ben, demandez la prochaine fois, putain. Merde. Approche pas trop. Réponds. Donne ta position. À toi. Merde. T. Mmh. Je dois terminer un truc ici. À l'aide, on est retenu prisonnier au commissariat. Au secours! Je vous rejoins. Terminé. C'était pas très malin. Oh si, c'était très malin. Vous pouvez pas me laisser là! Je vais me gêner. T'as pas une épingle à cheveux? Bah, il a pas l'air en forme, hein. Ça va pas fort. Par contre, le chapitre là, c'est vrai que j'ai pas fait grand chose. Alors, on va être un peu gentil. Je suis là. Ouais. Je sais. Il va commencer à m'insulter. Tu vas bien? Je sais pas. Je me sens pas très bien. Tu veux quoi? Je peux faire quoi? Il fait chaud. T'as pas chaud?
Je suis collée à cet énorme tuyau, donc j'ai pas vraiment froid. Approche pas, ok? Tu devrais te mettre plus loin. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire à ce niveau-là. Max? Oh, ça y est. Max? Explique-moi ce qui se passe! C'est marrant qu'il se transforme en petit chaton. Ah, et c'est là qu'il s'est fait... Ok. Oh non. Mais attends. Ah, il a cassé le... Ok. Ok. Alors par contre, il a vite fait taper vers l'œil, il a pas tapé vers le bras là. Surtout que c'est pas le bras où... Ah. Il lui a piqué son œil. Ah non, mais si, elle est revenue dans sa... elle est revenue dans sa cellule, elle attend. Voyons ce que ce connard de flic nous cache. Bah oui, mais pourquoi elle est revenue là? Je comprends pas. Et l'autre à côté? Attends, mais il... Comment il va, notre ami, là? Ah. On peut pas continuer? Parce que là, il se prend la vapeur dans la gueule, là. Eh oh! Non, tu veux pas? Allez, maintenant qu'on est là, maintenant qu'on a fait nos conneries, on va chercher la carte. Je suis la carte. Ah, mais on va pouvoir planquer la seringue là-dedans. Non? Peut-être pour après. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Relève-toi. Continue. Non, il faut aller chercher là. Il faut aller chercher la seringue. Bon, elle a rien fait en vrai. On va aller l'aider. Puis de toute façon, il faut trouver la carte. Je suis la carte. Alors. Où est-ce qu'on trouve une carte là-dedans? Ah, il y a quelque chose de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'ai peur de faire une connerie si jamais je trouve le bon objet. Ah, on peut pas prendre une douche. Pourquoi il est revenu? Bah, elle se sentait bien dans sa petite cellule. Elle avait pris l'habitude. Oh non. Enfin, mais il y a des portes partout. Moi, je veux pas ouvrir une porte et me retrouver à ne plus pouvoir faire demi-tour. Donc, on va fouiller et après, on cherche. Quel était donc ce bruit? Ah! La carte! Le chariot, j'ai cru que ça allait être écrit le charreau. Le charreau, la fameuse carte de tarot, le charreau. Peut-être hein, d'ici quelques dizaines d'années, le charreau sera une carte au tarot. Oh, merde, va falloir que je me repose.
Comment ça, elle est fatiguée? Y a pas moyen que tu sois fatigué. Putain, mais toutes les portes, on peut tout ouvrir là? Ah. Alors par contre, pas de truc où je peux pas retourner en arrière. Stop, stop les conneries. Ah ah. Oh. La seringue. Ça doit être avec ça qui m'a endormi. Ouais. Putain non. Je la cacherai dans ma cellule. Ouais, mais attends, non, reste là hein. Non. Ah putain, j'ai eu peur. J'ai cru que je déclenchais le script et qu'elle allait retourner toute seule comme une grande dans sa cellule. Moi, je veux fouiller complètement. Merci la moto. Qu'est-ce donc cela? Le 7 juillet. Pourquoi elle est contente? Est-ce qu'on s'en fout? Mais que ça peut bien vous foutre? Tournée d'anniversaire, pleine lune. Flic infiltré. Pleine lune. À mon avis, on n'est pas loin du 24 là. Hein. Si ce n'est, on est le 24 ou le 25. Bon, il n'y a pas de carte hein, ici. On est bien d'accord. Putain, j'espère vraiment que ça va pas déclencher le script et qu'elle va retourner dans sa cellule. Hein. Parce que moi, j'ai fait exprès de prendre la porte la plus éloignée pour. Ah putain, encore une fois, j'ai cru qu'elle allait dans sa cellule. Bon, très bien. Si, on peut aller partout. 7 juillet, je te le note. Non, mais t'inquiète pas. Je retiens. Celui qui portait ça doit pas être en forme. Un signe de shérif brûlé. Ce vieil insigne de shérif est sévèrement brûlé. Appartient-il au shérif actuel ou à l'un de ses prédécesseurs? Je dois m'allonger. Non, tu dois pas t'allonger, tu dois chercher la carte. Il y en a d'autres, je le sais. Je connais trop bien le jeu maintenant. Donc, tu vas chercher les cartes partout. Tu vas tout fouiller. C'est la partie la moins intéressante du jeu, ça. Quand tu cherches les cartes, là. Je trouve que c'est vite insupportable. Bon, y'a rien, hein. Eh, y'a rien. Qu'est-ce donc cela? C'est 56 ans. Ça veut dire qu'il est né en 65. Donc nous sommes bien évidemment en 2021. Happy birthday, maman. Travis. Donc c'était ça, ce T. Travis. Là, il y a une carte. Là, forcément, il y a une carte. Regardez. Regardez. Voilà. Il n'y a pas de carte. On peut pas regarder dehors. Bon, l'étage, c'est fait. L'étage, c'est fait. Bon, maintenant, je crois qu'on avait tout fouillé ici, hein. Et mollo, ouais. Fermé. Bien sûr. Et je peux pas laisser Max. Je peux pas laisser Max. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec Max, là? Je vais attendre dans ma cellule, sinon. Tu veux lui mettre une petite laisse à ton Max? Pour qu'il te suive? Oui, j'ai trouvé la seringue. Qu'est-ce que tu caches, Travis? Travis.
Lettre de mise en demeure. Une lettre demandant aux animateurs du podcast Enquête Paranormale d'arrêter leurs recherches sur Hackett's Quarry. Bah non, mais c'est... Je veux bien qu'elle ait pas envie de le laisser tout seul, mais bon, qu'est-ce que t'en fais? Tu vas pas le... Mis à part... Mais non, mais redescends pas! Mis à part lui foutre une laisse... J'ai fait ce que je pouvais, j'en peux plus. Il faut que je dorme. Non, ouais. Arrête avec ça, hein. Ça, c'était quoi cette vue, par contre, là? C'était une horreur. Attends, elle va pas s'évanouir? Il faut peut-être que je fasse en sorte qu'elle s'évanouisse. Non, je suis PS5. Fait Edward Benson. Qui ça peut être? C'est des informations, ok. T'as, par contre, j'ai peur qu'elle ne puisse pas... J'ai peur qu'au bout d'un moment... Ah! J'ai peur qu'au bout d'un moment, elle s'évanouisse de fatigue. Putain, mais qu'est-ce qui me bloque, là? Attends, mais... Ah, oh, putain, les murs invisibles, au secours. Allô? Bouh! Recommence, on sait jamais. Ce serait bien qu'il sonne le téléphone. Ça, pour un indice, c'est un sacré indice. Oh putain. Putain, c'est quel Windows ça? C'est Windows 95. Oh la vache! Mais des chasseurs de fantômes en quête de réponses qui se sont retrouvés à la merci de la folle de Hackett's Quarry et ils ne sont jamais revenus. Comme nous. Et sauf la partie où ils étaient à la merci de trucs, machin chose. On est plus des inspecteurs de fantômes. C'est la famille Warren. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? C'est clairement la famille Warren. Les infos du journal local, le North Kill Gazette, des bottes de foin auraient pris feu pendant la soirée d'ouverture. Et les flammes se seraient propagées. En quelques instants, tout est parti en fumée, y compris la femme qui menait le spectacle et son soi-disant. Ah oh, putain, Poppy, fais un effort. Comment t'as écrit serre? Ah, on a obtenu un trophée. Alors, je sais pas ce que c'est, mais... Vous avez écouté le podcast? Eh ouais, nous, on écoute les podcasts, nous. Bon, il n'y a rien ici. Ah, j'espère que tu trolls, hein, Poppy. Bon, il n'y a rien du tout qui est ouvert, là. Bon. Bon, ok, je pense qu'on a fait le tour. C'est la même chose. Ah, très cher Poppy. Ah, c'était ouvert ça? Ah oui, c'est les douches. Bon. Je vais aller retourner dans ma cellule.
Non, mais il y a orthographe et orthographe. Il y a orthographe et orthographe. Bon, fais dodo. Allez dormir. Bon, après Internet, si tu traînes sur des forums et tout ça, des fois ça pique les yeux. Hein. Ah si, j'ai caché la seringue. Tu vas me dire ce qui s'est passé? Je peux vous retourner la question. Pourquoi pas fuir? Je laisserai pas Max. Je te fais pas confiance pour autant. Je m'en fous. Je veux juste l'aider. Tourne-toi les mains contre le mur. Sérieusement? Je suis trop crevé pour me battre. Mais... Moi aussi. Content? Je vais faire du café. Travis sait faire à mon café, Travir sait faire à mon café. C'est quoi? C'est éducatif. Regarde. Tu l'as bien nettoyé. Ton œil, je dis. Alors, attention. C'est plus dur qu'ils le disent dans les manuels. Surtout quand il n'y a personne pour nous aider. C'est toi le docteur. Pour les animaux, et non. En fait, je le serai sans doute même jamais. On est coincé là pour toujours. Parfois, on pense savoir, sans vraiment savoir. Tu me suis? Non. Merci à Kovolta. Je suis pas... Il faut pas se fier aux apparences. Non mais je sais, t'es un bon gars Il au fond. Va falloir être un peu plus précis. T'es un bon gars. Max et toi, vous êtes tout autant dans la merde que je suis. Ma famille. On voulait pas faire de mal. On veut survivre comme n'importe qui d'autre, tu comprends? Pas vraiment. Bien. On va y mettre un terme une fois pour toutes. Et viens dire bonjour. Allez, viens. Ouais. Allez, putain, t'es pas loin. Viens par là. Qu'est-ce qui se passe au Bah, juste avec couche-toi. votre famille? Putain, les poils, sérieux. Ma famille. La famille, la famille, la famille. Ah, le policier commence à se détendre. Quoi? La famille est la chose la plus importante qui soit. Mais si toute ta famille, enfin, disons, chaque membre jusqu'au dernier décide de sauter au fond d'appui et que tout le monde s'accroche à une corde, comment une seule personne pourrait tous les remonter? Ah non! Si tu tires sur la corde, tu risques de tomber au fond du puits avec les autres. Et c'est tout le problème. Alors c'est vous qui êtes à l'extérieur du puits avec la corde et... Oui. Ça me semblait évident. Ouais, ok, ouais, j'ai compris.
T'énerve pas. Laisse tomber. C'est un bon, quoi, Volta. On va voir si t'es vraiment futé. Qu'est-ce que c'est ? Des instructions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lis-le. Quand dans le ciel la lune est pleine, la bête terrée se fait souveraine. Les brebis errantes, elle saignera, mais les points d'eau, elle redoutera. Si ce dame en vous se révèle, à l'argent tué, l'originel. Quand le disque brille au firmament, oxyre la source de vos tourments, conjurera votre infortune et le fléau de la pleine lune. C'est beau, hein? Bien. C'est beau. Continue. Et si morsure vous subissez, d'amputer il faut vous presser, pour une chance de sauver votre âme avant que ronge le mal infâme. Tu commences à voir l'idée ? C'est léger, niveau info. J'aurais peut-être dû prendre son arme, non ? Franchement, c'est nul. Pourquoi ça doit... J'ai pas osé. J'en sais rien. Mais c'est tout ce qu'on a sous la main. On tue le loup-garou qui nous a mordus et on guérit. Il faut de l'argent et une nuit de pleine lune. Je vois vraiment rien de bien compliqué. Si tu peux tuer la bête, et c'est pas gagné. Je veux juste sauver Max. C'est plus dur que tu pourrais le croire. Si vous saviez tout ça, pourquoi vous l'avez pas abattu dans le sous-sol quand vous pouviez le faire ? Enfin, c'était... C'est plus dur ? Ouais, non, c'est pas... Parles. Ils sont pas faciles à tuer, je voulais seulement vous protéger. Moi j'y crois en son histoire. Alors, c'est quoi le plan ? Bah, c'est là que je compte sur toi. Moi ? Ouais. Avec tes études. Je les ai même pas commencées. Ouais, mais t'es ma meilleure chance. Je chasse ce putain de loup blanc au clair de lune depuis si longtemps que je me demande s'il existe. Mais si ça se trouve, il y a un autre moyen. Quoi que tu en dises, la science doit aider. Et ça, c'est ton rayon. Écoute, prends le temps de réfléchir à tout ça. Je reviens demain matin. Convaincu ? Oui ! Ouais, t'es mon copain. Ah ! Ah non, il parlait pas à moi. Pas pour moi. Qu'est-ce qu'il lui a montré pour qu'il fasse la tête, là ? Des photos compromettantes de lui ? J'aurais pas cru un mot de ce qu'il a dit si j'avais pas... Si j'avais pas vu ça. Moi, je le crois. Tu vas pas me dire que tu lui fais confiance, quand même. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je le croyais pour... les loups-garous, pas pour la science. Je sais pas ce qu'il espère. C'est un pourri qui enlève des gens, Laura. On devrait se méfier de tout ce que dit ce connard. Bon. Qu'il crève. Il a eu sa chance d'arranger ça.
On va sortir d'ici et régler ça nous-mêmes. Moi, je suis pas sûr, hein. Ouais. J'ai vu ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait à ton œil. Ouais. C'est grave? Non. Ouais, plutôt grave. Je suis désolé. Nous aussi, on est un peu bipolaire. C'était pas toi. Je sais que c'était pas toi. Je sais. Mais quand même. On va te soigner, Max. Promis. Un doliprane, un suppo et au lit. Et Max, le lendemain, il se réveillera en pleine forme. Ah. J'avais trouvé une voiture abandonnée. Il y a un moment, et j'en ai déduit le reste. Merde. Pourquoi ? À ton avis, Chris. Mon Dieu, Travis. Ils sont encore là, mais tu débloques. Mais t'en as mordu un, Chris. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? C'était quoi ? On a peut-être dû faire du bruit, non ? Bah non, il sait qu'on est là. Tu m'as tiré dessus. Maman va nous tuer. T'as de la chance que ce soit pas de l'argent. C'est quoi le plan ? Tu peux pas les garder comme ça. Je vais me tuer. Si t'avais fait ton boulot, ils se seraient peut-être pas retrouvés au camp. T'y penses à ça ? Si j'avais fait mon boulot, vous seriez tous en tôle. T'y penses à ça ? Ça, c'était Bobby et Caleb, et tu le sais. Le randonneur et cette fouine de journaliste. Mortel, Travis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Tous se serrer les coudes. Chier. Viens dans mon bureau. On sera tranquille. Max. Hein? Max. Oui, sa tête me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Travis était dans le couloir à parler, le flic. Et ? Avec Chris Hackett. Il est venu nous faire sortir ? Non. C'est le loup-garou. Max, c'est Chris Hackett qui t'a mordu quand on était dans le sous-sol. Putain de merde, c'est... C'est pas possible. En même temps, quand on y pense, c'est logique. Ah bon, tu trouves ? Bah, tout concorde. La voiture de Chris était au chalet. Oui, bah, du coup, j'avais compris. Travis voulait le protéger. C'est pour ça qu'il nous a suivis et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol. C'est parce que c'était son frère, putain, mais c'est ça ! C'est Chris qui m'a mordu, alors... Si. Ouais, c'est notre remède. C'est quoi ? C'est ça qu'on te soigne. Putain, Laura, tu penses à la même chose ? Demain, on va sortir de là. Je vais prendre le flingue de Travis. Et tu écris sa quête. Ok. Hé hey, hé hey, à l'aide. Laura se sent mal. Laura Laura, tu vas bien? Non. C'est quoi ce bordel? Laura! C'est vachement discret. Hein. Oh! Merde. Yeah.
Après, j'aurais bien aimé lui faire confiance jusqu'au bout, moi, parce que en vrai. Je commençais presque à y croire. Je devrais peut-être envisager de faire du cinéma. J'irai pas jusque-là. Ouais, non, pas jusque-là. On devrait filer tant qu'on peut. Bah ouais, moi c'est pour ça, hein. Parce qu'en fait, bah, j'attends qu'il y ait plus de cinématique ou quoi que ce soit. Enfin, je pourrais faire pause, mais... Où sont nos affaires? On cherche des balles en argent. Il doit en avoir ici. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre quelqu'un. Il est là. Oui, si, il y a quelqu'un. Bah après, j'aurais pu ne pas lui donner le coup de seringue. Le rater. Du QTE. Derrière la porte. Je sais pas ce que ça aurait fait, mais... Ah, propre. Voilà ce qu'il nous faut. Y a personne ici. Et du coup, on comprend mieux. C'est trop chelou. La nana dans la piscine tout à l'heure. Pas tout à l'heure, hier quoi. Les fabriques. C'est quoi? Des cartouches. Il les remplit d'argent. C'est bien ça qu'il faisait. Il chassait. Bon, du coup, j'ai plus besoin de ce truc-là. Bah non. Laisse le flingue. Je viens de me rendre compte. On est libre. Non, Max. On sera libre quand Chris Hackett sera mort. Et je crois qu'il nous reste peu de temps. Je sais, c'est vrai, mais... Ça reste une petite victoire, non? On fêtera ça une fois tranquille. Il faut qu'on aille à Hackett Square et régler le problème, ce soir. T'as par contre les éclairages au secours. Ne serait-ce pas à la fin du chapitre? Est-ce qu'on va pas voir la dame aux cartes? Et je suis arrivée là, non. Au camp. J'ai déposé Max sur l'île. Je me suis dit que c'était le plus sûr, avec l'eau autour, tout ça. Donc c'était lui qui nous a attaqués. Voilà, c'est toute l'histoire. Surtout, parlez pas tous en même temps. Attends. L'île, genre notre île à nous, tu veux dire l'île du lac? Ouais, pourquoi? Ben, Jacob, il est allé chercher Emma là-bas, mais il est pas encore revenu, elle non plus. Oh merde. Bon, du moment qu'ils cherchent pas à fourrer leur nez là où il faut pas, ça devrait aller. Fourrer son nez là où il faut pas, c'est le surnom de Jacob, c'est vraiment la merde. Quand vous m'avez vu à la piscine après que j'ai tué Chris, je suis retournée sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal. Mais... C'est pas Chris que t'as tué.
Max? Max? Max donne la patte. Viens faire trempette. La visite fut brève, exactement. Mauvais Max privé de bouffe. Le loup-garou que j'ai tué, c'était pas Chris. C'était pas un loup-garou, c'était Kaylee Hackett, la fille de Chris. Quand j'ai tiré dessus, c'était pas elle. Peut-être, je sais pas... qu'elle est redevenue normale après, quand j'étais sur l'île. Mais attends, pourquoi Max t'a pas tué alors? Ah! J'ai pu lui échapper. Il faut que j'en finisse. Il nous reste peu de temps. Oh, bonsoir, bonsoir. Oh. C'est notre petit dernier. Ça sent bon, là. Vas-y, mange un bout. Allez. Abruti d'animal. Oh, merde, lâche-moi! Lâche-moi, putain, laissez-moi partir! Ah! Laissez-moi partir, ok? C'est pas de ma faute, il s'est parti en couille! Je vous en supplie! Mais pourquoi vous dites rien, putain? Est-ce que c'est de l'argent que vous voulez? Hein? Parce que mon père, il en a! Un tas de fric! Enfin, pas vraiment! Mais il en trouvera! Enfin, j'espère! Ça marche! Aïe! Laissez-moi partir, pitié! Je suis tellement désolé! Oh, putain de merde! Et de deux, Bobby. By myself.
Gentil toutou. Nous revoici. Vous mettez votre nez là où vous ne devriez pas. Putain, mais s'il y avait plus de cartes que ça. Tout ce que vous entendez. Bref. Nous y revoilà. Voyons ce que vous m'avez apporté, d'accord? Le chariot. Le chariot. Aux commandes d'un chariot, nous nous sentons tous en sécurité. Prendre le contrôle, se fier à notre détermination pour faire nos choix, c'est courageux. Et dans certains cas, stupide. Nombreux sont ceux qui cherchent refuge dans un chariot. Mais parfois, sans qu'on sache pourquoi, ce n'est pas aussi sûr que ce que l'on pourrait croire. Et l'éternelle question qui revient. Me laisserez-vous vous en montrer plus? Alors, je sais pas pourquoi, là, d'un coup, J'ai l'esprit mal placé, mais je veux bien en voir plus, mais je parle de la carte. C'est dégueulasse. Nous nous reverrons encore plusieurs fois avant que la nuit ne touche à sa fin. J'en suis ravi d'avance, tant que vous suivrez la bonne voie, bien sûr. La bonne voix, bien sûr. Bah non, justement, je veux pas en voir plus chez la vieille, moi. Au secours, quelle horreur. Je sais bien que c'est un jeu d'horreur, mais quand même. Bon, bah du coup, la vision... Ah, on en aurait pas loupé. Ou alors, il y en avait une juste après. On verra bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il ouvre une porte, c'est tout. Ah, il ouvre la porte de la voiture, je crois. Ça a l'air d'être la porte de la voiture. Ouais, c'est une porte de voiture. Et il y a... je sais plus comment elle s'appelle derrière, mais elle est juste derrière. Ok, bon. Tu te souviens qu'il y a... Oui, qui il y a dans la voiture? Oui, je me souviens qui il y a dans la voiture. C'est pas obligé de me le rappeler. J'ai même pas envie de prononcer son nom. D'ailleurs, c'est un des seuls personnages où j'ai vraiment retenu le prénom. Bon, il y en a d'autres, j'ai retenu le prénom, mais... Ouais, mon perso préféré, ouais. On va être ravis de la revoir. Bon, du coup, ce que je voulais dire tout à l'heure à propos du flic... Pourquoi j'aurais envie de lui faire confiance? Parce que déjà, de base, quand il nous a trouvés, il avait... Bon, maintenant qu'on connaît la suite... Voilà, quand elle a appris qu'il y avait loup-garou, qu'il était en train de chasser, etc., etc. Si elle y réfléchit bien, quand elle les a trouvés, il lui a dit d'aller directement à l'hôtel et de ne pas aller directement au camp. Parce qu'il savait qu'il y avait des risques qu'ils se fassent attaquer ou quoi que ce soit. Donc déjà, première réflexion, il a voulu les protéger. Ensuite, quand il les a trouvés après, il s'est dit, bon, je vais quand même aller voir, à mon avis, au cas où s'ils n'aient pas fait des fous. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Deuxième fois où il les sauve. Ensuite, il les a séparés dans les cachots. Après, le truc où elle aurait pu avoir un doute, c'est pourquoi il les garde dans le cachot. Après, moi, ce que je me dis, dans la réflexion, c'est que lui, il pouvait pas le relâcher, parce qu'il pouvait se transformer. Et s'il relâchait que elle, pas sûr qu'elle le comprenne. Pourquoi elle est relâchée et pas lui? Donc, il aurait pu se dire... qu'elle aurait pu faire la connerie de le relâcher et du coup elle se serait fait bouffer parce que ce serait peut-être douté de rien. Donc 3 ou 4 fois il leur a sauvé la mise, je trouve. Donc voilà pourquoi je voulais lui faire confiance et j'aurais bien aimé aller jusqu'au bout dans cette réflexion là. Mais après je savais pas, ouais, j'aurais pu ne louper le QTE de la seringue. Je sais pas ce qui serait passé, dans tous les cas le jeu on le refera. Hein. C'est sûr. Donc on verra bien. Je t'ai dit dès le début que je ne l'aimais pas non plus. Je suis contente que toi aussi. Et moi, j'ai tout mon temps.
Comment ça, t'as tout ton temps? Non, non, on va s'arrêter là, Nounette. Donc je reste. Bah, vous pouvez rester, hein. Il est quelle heure? Je vais peut-être aller sur Horizon après. On va peut-être faire une petite pause et je vais peut-être faire un peu d'Horizon. Non, j'aime bien de faire un chapitre. J'ai pas envie de terminer le jeu rapidement. C'est pour ça que je fais des petites sessions de 1 heure, 1 heure et demie. C'est qui nous laisse et reprendra la suite sur un prochain stream. J'ai clippé certains passages sur les précédents streams si tu veux. Ouais, je suis allé regarder hier soir. Ah, tu parlais à Kovolta, pardon. C'était pour prévenir à quoi? À la revoyure. Ouais. Bah, c'était bien cool. Bon, là, il n'y avait vraiment pas énormément d'action, hein. On a fait que des cinématiques avec des choix. Mais après, voilà, ça a bien fait avancer le truc. On a eu beaucoup de réponses à nos questions. C'était bien cool. Et quand je vois à peu près où on en est dans les cartes de tarot, on serait à peu près à la moitié. Donc, il nous reste. Ah, peut-être pas, non. Ah, il nous reste peut-être approximativement une petite moitié du jeu. Peut-être un peu moins, ouais, un peu moins d'une moitié du jeu, je pense. Donc, on verra bien. Bref, eh bien écoutez, merci à ceux qui sont passés sur ce stream. J'espère que ça vous aura plu. Comme j'ai dit, on avance tranquillement. J'ai pas envie de me presser sur ce genre de jeu. Envie de profiter. Et puis voilà. En plus, on n'a pas vu Emma une seule fois. On l'a pas vu une seule fois, donc forcément c'était un bon stream. Voilà. Bon allez, bref. Merci encore à ceux qui sont passés. Bon après-midi à vous. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.